Et salut les amis, c'est Willbox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour continuer la campagne de Modern Warfare 2. La dernière fois, on avait fait la mission 10 qui était violence et rapidité, où il fallait sauver Laswell dans un convoi. Maintenant, on va passer à la mission 11 qui est El Sinombre. Swap et Alessandro, Ghost et Grave mettent au point un plan pour infiltrer le domicile d'un haut membre du cartel de Las Armas et retrouver l'insaisissable El Sinombre. Donc on est parti, on va faire cette petite mission, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on est vers la fin de la campagne, parce que bon, c'est El Sinombre, c'est... plus ou moins le chef du cartel, donc je pense qu'on arrive vers la fin de la campagne. On verra s'il y a d'autres missions après ou pas. Donc on est parti, allez go. Allez, c'est parti. En nouvelle mission, si vous voulez voir la... Comme d'habitude, si vous voulez voir la... La cinématique entre la mission 10 et la 11... N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. À la fin de la vidéo, il y a la cinématique. Pour suivre vraiment le truc, rester dans le fil. On vous conseille, allez la voir. J'ai saut en visuel. Wow, ils sont chauds là. Est-ce qu'ils le voient ? Maintenant, oui. Ok. Il l'amène dedans. Il a du courage, ceci. J'espère que ça ira. Bon. Et nous, on fait quoi? On couvre l'extérieur ou on est à l'intérieur? Hermano. Alejandro? Comment t'as... Pas le temps pour les explications. Écoute-moi attentivement. Dis la vérité. Donne-leur tout ce qu'ils veulent savoir, sinon ils te tueront. Tu veux que je leur dise tout? Oui, tout. Les forces spéciales mexicaines, les soldats SMP américains, la Shadow Company, Philip Graves. Toute la vérité. Je sais pas, lui, il me fait bizarre, lui. J'ai un mauvais pressentiment sur lui. Oh putain, sur lui aussi. C'est bien lui ? Oui, chef. Il a un nom, le Mohawk ? On m'appelle Soap. Soap, c'est quoi ce nom à la con ? Suis-moi. Je veux voir El Sinombre. Oh, il va voir le boss. Si t'es en vie, c'est parce que tu détiens peut-être des informations. Et elles ont intérêt à être bonnes, gringo. Ou sinon, je te ferai bouffer ta putain de crête, ok? Ok. Dégage de mon ascenseur, bordel. Et à mon avis, tu vas mourir, toi. Ici, c'est chez moi. Vraiment, tu ne verras le boss que quand je l'aurai décidé. Tu ne parles que lorsqu'on t'interroge. Et plus important encore... Merde, si j'avance pas. Parce que ouais, si tu mens, je te donne. Avance. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, putain? Ça fait des jours que je dors pas. Le boss a dit pas de drogue. Diego, j'essaie juste de maintenir éveillé, c'est tout. Respecte les putains d'ordre. Ouh. La douleur te maintiendra éveillé. Allez, remets-toi au boulot. Non, la Salma, c'est en guerre. Tu veux gagner? Alors obéis. C'est comme ça que l'organisation survit. Et c'est pour ça que le boss est là ce soir. Elle s'est nombrée. Mets ton calibre. Tout en or, là? Non. Ah ouais. Il est classe. La secrétaire personnelle du signe nombré, oui. Valéria. En voilà un autre. Un gringo. Avant, je dis. Aïe. ¿Y este quién es? Su nombre es Jabón. Él nos buscó. ¿Jabón? No mames. ¿Y lo trajiste para acá? Así nomás. Dice que tiene información. ¿Qué? ¡Pendejo de mierda! No tenemos ni puta idea de quién es este güey, ya nos vio la cara. Valeria,
Necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Pues más te vale que nos dé algo, porque si no... Usted era en cólera. Luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú. C'est elle, la chef. Peut-être, c'est peut-être elle, elle, sin nombre. Niños! C'est très simple. Je pose des questions, vous répondez honnêtement. Ne vous avisez pas de me mentir. Jusqu'à présent, on protégeait un ami dans les montagnes. Mais quelqu'un nous a attaqués. Qui? Todo un caos, no vi. Répète pour que le blanc comprenne. Je crois que c'était le cartel rival. À ton tour, Blanquito. Qui nous a attaqués? Qu'est-ce que t'as contre les Blanquitos? On va faire 4. Si tu te tais. Oh non! Qui nous a attaqué? Oui, t'inquiète. Voilà. C'était pas le cartel. C'était les forces spéciales mexicaines. On a retrouvé le corps. Fuerzas especiales. Mais comment un étranger peut savoir que c'était les forces spéciales mexicaines et pas toi? Peut-être qu'il y était. Tu y étais, connard. Peut-être qu'il y était aussi. Des étrangers ont collaboré avec les forces spéciales mexicaines. C'était qui? On les a entendus crier, parfois en anglais. Ils étaient avec les gringos comme lui. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Des SMP américains, la Shadow Company. Il a dit qu'il fallait dire la vérité. Un groupe baptisé la Shadow Company. Los vaqueros están trabajando con los mercenarios, güey. Esas pinches víboras. Vous voyez? J'avais raison. C'était les gringos. Mais t'as des preuves de l'existence de cette Shadow Company? Comment je peux le prouver? Et toi alors? T'as une preuve? Ouais. Regarde dans ma poche. J'ai un truc dans la poche. C'est quoi ça? L'insigne de la Shadow Company. La preuve. Qui dirige la Shadow Company? Je veux un nom. Je peux même pas besoin de le connaître. Je m'en rappelle même pas. C'est ça. Philippe quoi? Graves. Ça me plaît. Ce type, Graves, qu'est-ce qu'il veut? Des missiles. Il veut les missiles que vous transportez. Comment il est au courant de ça? No puedes confiar en él. No puedes. Te lo digo. Tú no nos has dicho ni verga, idiota. Te pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú. Hora de matar a este culero inútil. Come la ser Valeria. Je vous en prie, je veux pas mourir. Hombre, sí, toi t'es mort. Qué bonito. Que viven ahí. Mettons-nous au boulot. Allez, on okay. Va là-haut. Allez, güero. Ok, j'arrive. Salut, frérot. Allez, avance, toi. Que les choses soient claires, on n'en a pas fini avec toi. El Sin Nombre décidera de ton sort. Vuelta a trabajar, pinches cabrones. Votre caméra, tiens. Oh, merde. Merde. Oh, quel con. Bon, c'est pas grave. Ça va qu'on était pas loin. Allons-y. Allez, par ici. J'arrive. Ah, mais vous faites chier tous. Pourquoi tant de brutalité dans ce monde de brut? Los vaqueros están moviendo muy rápido. Yo voy a estar en el penthouse con el sin nombre. Quand est-ce que je verrai el sin nombre? Valeria doit aller parler avec le boss là. Tu attendras avec les autres.
J'ai comme l'impression qu'Elsin Nombre aura très envie de te parler. J'en doute point. Tu vas devoir attendre ici, Soap. Tu vas estar en ofrenda. Que no me interrumpan. Oui, chef. Órale, me encargo d'él, güey. Le necesitan afuera. Ok. Il faut lui donner un masque et le surveiller. Tu es vivant? Alejandro, je vois que toi aussi. Elsin Nombre est dans la suite. Au dernier étage. Il faut une carte d'accès. Diego en a une. Prends ça. Sympa. Tiens. Pourquoi un masque? Des gens peuvent pas être vus avec le cartel. Radio en marche. Tu me reçois? Cool. Ok. T'es prêt? Sortons. Ghost, on y est. Qu'est-ce qu'on a? Elsin Nombre est dans le penthouse, au deuxième étage. L'ascenseur nous y mènera. On a juste besoin de la carte de Diego. Où est Diego? La salle des offrandes, premier étage. Tu vois quelque chose, lieutenant? Si tu trouves un moyen de monter sur le toit, tu pourras accéder au penthouse. Dans tous les cas, faut que je monte. Attention, hermano. Si les gardes te trouvent là-haut ou dans le garage, ils n'hésiteront pas à t'abattre. Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Aucune idée. Mais c'est important pour Diego. Trouve Elsin Nombre et finissons-en. Ok. C'est pas par là. Faut trouver comment aller sur le toit. Ok. Et comment je peux aller sur le toit? Avant d'attaquer, assure-toi d'être dans une zone reculée. D'accord. Et d'après vous, comment je peux aller sur le toit? Bonjour. Bonjour. Cool. Est-ce que... Ah, peut-être par là. Oh merde, ils sont deux. Ça va pas le faire. Putain, je sais pas où monter en fait là. Bah par là. Zone défendue. Les gardes ont ordre de tirer à vue. D'accord. Je prends une bouteille. Pour faire diversion. Je suis au premier étage. Diego est dans la salle des offrandes. Elle doit être quelque part à cet étage. Entendu. C'est pas là. Bon, déjà... J'ai trouvé une arme silencieuse. Bien, tu vas pouvoir tirer sans te faire repérer. Ok. Ah d'accord, c'était pour la jeter, d'accord. Je t'ai en visuel, Johnny. Il y a un treillis dehors qui monte jusqu'au toit. Qu'est-ce qu'on fait de la carte de Diego? C'est toi qui vois. Je vais essayer de la pécho, mais c'est pas être évident. Hein. Pas mal. Attention, hermano. Le moindre bruit mettra tout ce beau monde sur notre race. Boum. J'ai récupéré au moins un pistolet qui est sympathique. Bon, on va monter par là, on se démerdera une fois qu'on sera en haut. Je grimpe sur le toit. Bien sûr, je serai juste derrière. Je vois plusieurs cibles là-haut. Va falloir s'en occuper. Ils sont où? Je suis con ou je suis con? Oups, putain. Deux cibles. T'en prends une. Je m'occupe de l'autre. Le penthouse est dans le coin nord. Je m'en occupe. Le toit est dégagé. Ah, j'ai le droit à un Victus. Trop bien. Entre dans le penthouse. Je te couvre. Ok. Il est bon là, par là? J'ai trouvé une bouteille. Parfait pour faire diversion. Boum. Ok.
Donc, mais il est classe, le calibre là. Il est super joli. Boum. C'est verrouillé. Prends l'échelle. Vois si tu peux accéder à l'ascenseur. L'ascenseur est par là. Tu peux faire fonctionner l'ascenseur. Ouais, t'es au foot. On va vite le découvrir. Ok. Fais voir. Voilà. On monte. Fais-nous descendre. Faut qu'on atteigne le deuxième étage. On descend. Fais-nous descendre. Faut qu'on atteigne le deuxième étage. Bouge plus. Stop. Dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu fais au sous-sol? Remonte. L'ascenseur monte. Bouge plus. Appuie sur le déverrouillage d'urgence. On est pas bon là. La porte est ouverte. À toutes les équipes, on va vers le penthouse. Tenez-vous prêts. Contrôle de sécurité droit devant. Comment on traverse? Fais-moi confiance. Oh, des armes là, enfin des balles là, parce que... C4, j'ai un nouvel invité pour le boss. Ouais. Y'a rien à piquer ici? Non. Caméra endoscopique en place. Procède à l'identification d'Elsin Nombre. Mettons enfin un visage sur celui qui n'a pas de nom. La cargaison d'Espagne est arrivée comme prévu. Ok. Diego. Je peux vous garantir que mes hommes respecteront cet arrangement et que les paquets seront en place. Elsin Nombre, vous avez envie de recevoir un nouvel invité? Bon voyage. Oui, bien. On peut commencer. Bon, qui ça va être? Ça va être le suspense? J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? La sicaria que j'ai rencontrée au sous-sol, Valeria. C'est elle, Elsin Nombre. Ah, bah c'est là, c'est Nombre. T'es sûr, hermano? Oui. Il faut qu'on bouge. Graves, Elsin Nombre se fait passer pour une sicaria. On entre, vous êtes prêts? Ok. Ghost? Ouais. Il nous la faut vivante. Putain, il y a Bruce Planqué, ce con. Il nous la faut vivante. Bon. Les sorties par derrière. Ouh. Ne laisse pas s'échapper. Ok, et là, j'ai des balles, quoi. Bon. On peut rentrer par là. Oh, nice. Ah merde, c'est une shot. Je vois bien. Alors, Elsin Nombre. Mon nom est Valeria. Cachée à la vue de tous. Cachée. Je suis partout, soldat. Bien. Nous aussi. On y va. Tu t'es fait griller. Mon pote, tout va bien? Valeria, je la connais. Ah bon? Comment vous vous connaissez tous les deux? Se connaître, c'est un grand mot. Les paroles fortes sont importantes. Notre parole est notre valeur, non? De la verga, de puta que te voy a matar. Oh, du calme, commandant. Ouais. Ouh, il est en colère, lui. Calme-toi, frérot. Fais une clope, une garo. Dis-leur. Personne ne me donne d'ordre. Même les klebs de Las Almas n'osent plus m'abouiller. Sans blague. Non, c'est une ancienne militaire. On a servi ensemble. Ah, d'accord. Différentes escouades. Même unité. D'un côté, vous, les sauvages, les vaqueros. De l'autre, mon équipe, irréprochable.
Jusqu'au raid contre le fils de la Araña, tu te souviens? Comme si c'était hier. Son équipe était censée boucler la ville pour empêcher les mercenaires de la Araña d'entrer et éviter le bain de sang. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais, personne n'est entré parce que c'était vous les mercenaires, pas vrai? Il a été escorté dans les montagnes sans incident. Et on a évité le bain de sang. Il devait finir derrière les barreaux. Une tête ironique, c'est trop drôle. Et pris sa place. J'avais laissé une place vacante. Et je l'ai comblée. La Salmas a besoin de moi. La Salmas a besoin de soldats. Pas de sicarios. Et toi? Toi, t'as déshonoré l'armée. Et tes frères aussi. Pourquoi vous faites ça? À vous de me le dire. C'est pas vous, les mercenaires? La concurrence profite de votre inaction. Des narcos qui protègent un terroriste. Le terrorisme, c'est bon pour les affaires. Une forme d'assurance. Ça veut dire quoi, ça, putain? Puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo! Puta madre, Alejandro! Mais tu l'envoies chier. Tant qu'il y a une guerre contre le terrorisme, ça laisse le champ libre au trafic de drogue. Pour trouver votre soi-disant terroriste et vos missiles, vous avez besoin de moi. Pour éviter un bain de sang. Non, ça sera sans moi. Ça change rien. Au contraire, ça change tout! Putain! Ne faites pas de marché avec elle. Ça va mal se finir. Pour elle, sûrement. Maintenant, c'est à ton tour de dire la vérité. Je veux les missiles, je veux la cible, et je veux Hassan. Vous avez 10 secondes pour tout me dire, avant que je vous montre la différence entre l'armée et moi. Je connais pas les cibles. Je suis qu'un messager, un simple pion. Mais je sais où sont les missiles. Et à votre retour, je vous dirai où se trouve Hassan. En échange, vous me laissez partir et vous foutez le camp de la Salmas. Je veux plus vous voir. Je suis pas sûr qu'il y ait rien dans le jeu. Ok. En attendant... Vous resterez ici. Les coordonnées obtenues lors de l'interrogatoire pointent vers une plateforme pétrolière à 400 000 nautiques au large du golfe du Mexique. La plateforme n'est plus en activité et sert actuellement de lieu de stockage pour la contrebande du cartel. Un cargo a jeté l'ancre à 500 mètres au nord-ouest. L'équipe de surveillance a repéré du personnel en train de décharger un vaste conteneur. Ce conteneur se trouve désormais en haut de la plateforme. Nous pensons qu'il renferme le missile. La Task Force 141, le colonel Vargas et la Shadow Company monteront à bord de 3 bateaux pour une élimination simultanée des 2 cibles. Ghost dirigera l'équipe d'assaut en charge du cargo. Graves, Soap et Alejandro. Ok, donc qui on va être, nous? Je pense qu'on va être sur la plateforme pétrolière. Vous avez ordre d'éliminer toutes les menaces. Nice, nice. Donc voilà les amis, on va en rester là pour cette petite vidéo. On fera cette mission dans une autre vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que cette mission vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir et à vous abonner à la cloche de notification si vous voulez être averti de la suite. Des aventures, on va dire, de nos amis de la 141. Si vous voulez être averti, abonnez-vous avec la cloche pour justement recevoir les notifications quand les futures vidéos sortiront. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, les amis, une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, les frérots.